Coucou tout le monde, donc on se retrouve dans une vidéo donc échange. Donc j'ai participé à un échange via un groupe YouTube qui s'appelle Creative Scrapbooking. Donc c'est la première fois. Je trouvais l'idée plutôt sympa. On ne fait pas attention, elle crie, c'est son quart d'heure de folie. Je trouvais l'idée un petit peu sympa. Donc en fait, je pense qu'ils font ça tous les mois. Un échange. Donc là, on avait jusqu'au 20 de ce mois, donc mois d'octobre, pour faire notre échange. Donc on s'inscrit. Ensuite, on reçoit un petit mail de notre binôme, parce qu'on fait un échange en binôme. Voilà, donc moi j'ai reçu le mail de mon binôme, donc elle s'appelle Magali. Donc elle a une chaîne YouTube, c'est MagPassion, et son Insta, MagPassion. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc là, je viens de recevoir son colis. Donc j'ai déjà ouvert, j'ai pas regardé, j'ai juste ouvert. Et donc voilà, donc en fait il fallait reproduire, faire une boîte. Donc elle a fait un tuto donc sur la chaîne. Donc je répète, la chaîne c'est Creative Scrapbooking. Fallait reproduire sa boîte et dedans il fallait mettre trois cartes. Donc on avait soit le thème automne, soit le thème Halloween, ou on pouvait faire les deux. Donc moi j'ai choisi le thème Halloween. Là je vais découvrir. Je crois qu'elle m'avait dit qu'elle faisait les deux. Donc je vais voir ça. Et donc il fallait faire reproduire cette boîte et faire trois cartes qu'on mettait dans la boîte. Donc après les cartes, soit on écrivait un petit mot dessus ou alors on n'écrit rien. C'est comme on veut. Donc moi elle découvrira hein, ce que j'ai fait. Je ne vais pas trop en dire. Et donc voilà, donc je trouvais l'idée sympa de faire des petites créas et de partager comme ça en binôme. Et après, donc il faut leur envoyer les photos par mail. Et après, je ne sais pas. Je crois qu'elle les met sur YouTube. Elle regroupe tout et je crois qu'elle met ça sur YouTube. Je sais pas encore trop, c'est la première fois que je m'inscris. Donc on verra ça. Donc c'est parti pour la découverte. Oh, il y a beaucoup, beaucoup. Ah oui, je crois que si je me trompe pas, je crois qu'elle m'a fait aussi une participation pour mon concours. Je vais d'abord lire sa petite carte. Elle est trop chouette. J'aime bien. Donc, elle est partie sur l'automne, elle. Voilà. Donc moi, j'ai fait l'opposé. C'est Halloween. Donc, c'est trop joli. Ce petit renard, bébé renard. Là, c'est trop beau. Ce n'est pas des découpes de chez Cannelle et Citron. Un truc comme ça. Bah, déjà, hop. On a déjà ici son YouTube et son Insta. Mais ça, je vous le réécrirai en barre d'infos. Voilà. Donc, je lis sa carte. Ouais, voilà. Donc là, il y a sa participation à son concours. Voilà. Donc ça, je vais le mettre. Alors, je ne sais pas si c'est tout ça, du coup. Ah oui, du coup, je ne sais pas c'est quoi les... La participation. Oh, tu m'en as fait beaucoup. J'ai pas fait tout ça, moi. Oh. En plus, c'est parti là tout à l'heure à la boîte aux lettres. Ça, je pense que ça fait partie de ça. Hein. Et là, ah, voilà, pour le concours. Voilà, il écrit. D'accord, donc ça, c'est pour le concours. Donc, je vais le mettre de côté. Et du coup, je ferai une vidéo à part pour le concours. Ça, bah, c'est les couleurs du concours. Donc, je pense que ça va là aussi. Et puis ça, bah... Ah ouais, j'ai pas fait tout ça du tout. Voilà. Donc là, je vous ai déjà montré sa petite carte. Donc elle m'a mis des petits bonbons, des petits yeux là, bien dégoûtants. Et du thé, donc nuit douce. Ça c'est, ouais, il m'en faut en ce moment. Et une infusion verveine menthe. Merci beaucoup, Magali. Ah bah, je vais déjà vous montrer ça. Hein. C'est déjà là. C'est trop beau, ça j'aime bien. Donc elle m'a fait des petites découpes comme ça de bébé renard. Avec une découpe de fleurs comme ça. Puis elle est venue mettre des petits nœuds en perles. Ici, on a plein de petites fleurs. Voilà, avec un petit demi-perle ou une petite énamel dot. Dans le centre. Là, on retrouve des embellissements Halloween. Ils sont trop marrants.
On a une citrouille, une chouette, des chauves-souris, des araignées, un chat, un hibou avec une citrouille sur la tête, une araignée et une autre citrouille. Et derrière, on a fait des petits... je vais le déballer. Donc là, on a plein de déjà de petites, des petits supports embellissement. Hein. Voilà. Donc dans les tons orange et noir. Et elle m'a fait tout... Je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait, je pense. Hein. Voilà. Voilà, tout des mots. Donc on a Halloween. Bonheur à faire peur. J'ai la trousse citrouille. Et la chasse aux bonbons est ouverte. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Mais je suis gênée parce que moi, je t'ai pas fait... J'ai pas fait tout ça, quoi. C'était pas prévu. C'était juste un petit échange comme ça avec trois cartes. Je sais pas, j'ai pas fait de petit. Enfin, j'ai pas. Si, j'ai fait un petit truc en plus, mais voilà, j'ai pas fait tout ça non plus. En tout cas, c'est super gentil. Puis je te dis, je l'ai parti. Bah, sinon, je t'ai envoyé un message. Voilà. J'ai cherché ma fille à l'école et je l'ai mis à la boîte aux lettres en même temps. Donc, voilà. Donc, la fameuse boîte. Donc, il y a le tuto donc, sur la chaîne YouTube de Creative Scrapbooking, voilà, pour celles que ça intéresse. Voilà, donc désolée, j'ai dû couper la vidéo. Donc, je disais, il y a le tuto donc, sur la chaîne, je sais plus du coup, Creative Scrapbooking, voilà, pour celles que ça intéresse. Donc, voilà. Donc, on est bien dans les couleurs de l'automne. C'est... Il n'y a pas photo, hein. Donc, voilà. Donc, le papier craft. J'aime bien le papier, il est très joli. Ici, donc un petit bijou. Donc, on a une petite feuille et une petite boule. Donc, on va découvrir les cartes. Ah, bah, la mienne aimant aussi. Oh, ah, je dis trop. Donc, ici, le papier. Il est beau celui-là. Il y a du foil dessus. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et ici, donc, on a les cartes. Hop. Donc, du coup, la boîte après se présente comme ceci. Alors, une première carte qui se présente comme ceci. Ouais, tu as vraiment pensé à tout, tu l'as même emballé et tout. J'ai même pas fait tout ça. Tu m'as mis l'enveloppe, j'ai même pas mis d'enveloppe. Oh, je suis vraiment désolée. J'ai vraiment pas fait tout ça. J'ai pas pensé. Donc voilà, je vais peut-être l'enlever. Avec le reflet, ouais. Je sais pas si vous voyez bien. Donc toi, t'as pas fait de petit. Non, il n'y a pas de petit. Voilà. Donc on retrouve ce joli renard avec des petites traces. Et c'est quoi? La pluie, c'est juste des confettis tombés du ciel. Voilà. Trop belle. Vraiment jolie cette découpe. Comme ça, comme j'avais fait. Donc là, on a sa première carte. Donc, je vous dis, c'était donc trois cartes hein, qu'il fallait faire. Ici, on a la deuxième. On retrouve un petit... Je sais pas c'est quoi. Encore un petit renard aussi, une petite fille. Voilà, avec le fond comme ça. Voilà, si on a un petit cœur puffy, et les petits strass et promenade dans les bois. Voilà, très belle aussi. Hop, et donc la dernière, donc elle est partie, là, si là sur du Halloween, m'avait dit ouais, que tu aurais fait les deux. Hein. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc là, il y a des découpes. Dans le fond, je pense que ouais, c'est toi qui l'as fait. Hein. Je vous montre. Donc, on a des découpes. Ici aussi. Là, c'est un tampon, un amour de sorcière. Là, c'est ouais, la toile d'araignée, le château. Ici, c'est la découpe. Et ça aussi. Donc le fond qu'elle est venue faire elle-même. Voilà, avec des petites traces. Voilà. Bah écoute. Magali, j'étais ravie de faire cet échange avec toi. Et puis, ça permet bah, du coup de rencontrer aussi d'autres scrappers, hein, du coup. Parce que bah, moi, personnellement, je ne te connaissais pas. Voilà.
Donc du coup, bah, ça permet de faire des rencontres. Donc je trouve l'idée franchement plutôt sympa. Donc j'espère qu'il y en aura encore des petits échanges comme ça. Et puis ouais, ça fait toujours plaisir, quoi. Voilà. On scrape aussi pour les autres et pas que pour soi. Donc voilà, donc bah, écoute Magali, quand merci, merci beaucoup pour cet échange. Je suis un peu gênée parce que tu m'en as fait plus que ce qui était prévu. Moi, j'ai pas fait tout ça. J'ai fait un petit peu, mais pas autant. Et puis du coup, je vais faire bah, une autre vidéo présentation donc pour le concours. Voilà, merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.